Les deux dernières barres de cette finale, donc Jean-Luc Mascotte, Philippe Limon, Jacob Légère, Raphaël Gagné, Xavier Toussaint. Donc, mesdames et messieurs, si vous vous posez la question, pourquoi qu'il y a un pasteur qui ne porte pas de bonnet jaune sur sa terre? Donc, en courte piste, pour éviter qu'un patineur se retrouve tout seul sur sa vague, nous faisons un jumelage. Évidemment, peu importe ce qui va arriver, le patineur qui n'a pas de bonnet termine premier de sa vague, donc il n'interprète pas du tout avec les patineurs qui possèdent un bonnet. Donc, présentement, nous avons le bonnet numéro 2, Philippe Limon, suivi du numéro 1, Jean-Luc Mascotte. En troisième position, le patineur de droite de Brésil, numéro 4, Raphaël Gagné, Jacques Dortézard. Et le patineur de toilette, Xavier Toussaint. Donc une lutte, 5 patineurs, le 2, le 1, le 4, le 3 et le 8, celui qui n'a pas de bonnet sur sa terre, Xavier Toussaint. Présentement, nous avons le 2, Philippe Limon de Montréal-Sec, suivi le relativement près par le patineur de Drummondville, Raphaël Gagné, en troisième de la Lotière, le numéro 1, Jean-Luc Mascotte, Jacques Dortézard, le Lotière, toujours dans la course, ainsi que Xavier Toussaint, le voilà. La cloche, 1000 mètres, dernier passage, dans le numéro 2, Philippe Limon, la ligne d'arrivée est en vue.